c'est un concert expérimental qui se prépare. Dimanche et lundi, 64 spectateurs pourront embarquer dans Entre les voix. Une histoire sonore qui veut restituer l'atmosphère d'un concert en mouvement dans un train. Pour l'immersion, les spectateurs seront munis d'un casque. Ça amène une intimité, je trouve que ça amène ça permet à chaque auditeur, on va dire, d'être sensible à sa manière, à ce qu'il va entendre, et pas dans une globalité de sonorisation où on peut être gêné par telle fréquence ou tel truc et ne pas avoir l'impression qu'on s'adresse à eux. Comment dire, vraiment quoi. Chacun ressentira comme il a envie et à sa manière la performance. Autour des bruits de train, censé créer une atmosphère de wagon, une performance vocale et instrumentale sera jouée en live. Le train, moi, c'est un endroit que j'aime bien. Le quai, c'est un endroit que j'aime bien. J'aime beaucoup les sons. Et du coup, les sons des trains sont souvent des sons très percussifs ou très, très puissants. Enfin, la gare, le train, c'est un truc que les gens connaissent aussi. Enfin, je pense, il y a pas mal de gens qui prennent le train, qui se retrouvent dans les gares à attendre, qui se retrouvent à Poitiers, du coup, contents de tout ce qui se passe autour, et qui sont sensibles ou pas à ce qui se passe autour. Le concert est totalement gratuit sur réservation. 6 représentations sont prévues le dimanche 21 et lundi 22 janvier.